Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Assez spécial avec la famille Ngando, une histoire très spéciale. C'est qu'en terminale, c'est Madame Ngando qui m'enseigne et j'ai mon bac. Quand on nomme Monsieur Ngando Mpondo recteur de l'université de Douala, je viens à Douala et j'ai ma licence en biochimie. C'est lui qui signe mon relevé de notes. C'est très très spécial dans le parcours d'un homme que je suis aujourd'hui. C'est très spécial comme formation que j'ai eue. Et j'ai voulu rendre hommage à cette grande famille qui est très spéciale pour moi. J'avais pas pu être là à la levée du corps, mais même si j'étais seul aujourd'hui, sous l'invitation de Raphaël, je serais venu et j'aurais joué mon saxophone seul. Parce que cette famille représente beaucoup pour moi. Merci encore à la famille Ngando Mpondo. Merci. Merci. Bonsoir. Je suis Nikos Ngando. Mutoi wengine
la subine ni na mene no bola. Je dis que les pasteurs,
de Richard Benoît. C'est la jam, on n'a pas reparti. Bale, oh,
merci. Thank you.
l'espoir de s'inconnus, ce matin sur l'avenue, deux amoureux tous étourdis par la longue nuit. Et belle étoile à la Concorde, un orchestre à mille corps, où les oiseaux du fond du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Thank you.
Je vais
Thank you.
l'on n'entend pas et l'on fait. C'est mon amour, son fion. Thank you.
J'ai eu la chance de travailler avec lui et Coco Mbassi à l'époque, quand ils ont fait la tournée des instituts français à Douala. Donc, c'est humblement mon hommage à sa personne. Merci. Enfin, Sango Yesu Christo. C'est un beau Non. Thank you.
maître Arthur Manga à la basse. Roche Jones à la batterie. Parfait Belle à la guitare. Et Loïc. Loïc. Merci beaucoup. Tengo el limpia, y se va a poder, así
petite guitare, dit Madame Marie, oh les malheureux. Les onibus, je les mentis, ma sœur n'a mal. Merci à tous les deux, ma langue, la voix d'un tel de la mort. Et t'es le bambou, n'a pas dit bambou.
très fort les instrumentistes. Merci, merci beaucoup.
Voilà. Il se demandait. Get
Merci. Voilà, c'était ma dernière. Merci. Tout le monde connaît M. Biaramon, je ne sais pas aujourd'hui que... Et tous les autres que je ne connaissais pas, je voulais vous remercier tout un chacun d'être venu honorer. Merci M. Biaramon, merci, la guitare était super. Le doyen Manga, qu'on ne présente plus. C'était vraiment un honneur de vous avoir ce soir. Je suis sûr que de là-haut, Serge en train de sourire et se dit, regardez-moi ces gens, je les ai bien eu, ils vont se rassembler. Serge, c'est quelqu'un qui est un fils d'enseignant. Et c'est plus dur pour deux fils d'enseignants. Un fils de deux enseignants de devenir musicien. C'est pour ça que nous sommes musiciens ratés. Parce qu'on ne pouvait pas avoir le courage comme lui de dire que ça, c'est ma voix. C'est pour ça que vous allez entendre que j'étais en classe avec, en terminale, avec Samy. On était en terminale, nous on jouait dans les orchestres de lycée, mais à cet âge-là, j'avais déjà dit que lui, ça suffit. Et j'ai une profonde admiration pour lui et pour les autres camarades comme Jean-Jacques Langré et les autres, les gens qui ont dit ça, c'est mon métier, riche ou pauvre, tout ce que j'ai, je voudrais faire, c'est de la musique. Donc, c'est quelqu'un qui s'est levé un jour, après une guitare normale. Dans le temps, il n'y avait pas, c'est pas n'importe qui pouvait s'acheter une guitare basse. Donc, à Noël, quand maman a acheté une guitare normale à 6 cordes, il a enlevé les deux premières cordes et il est resté avec les 4 dernières cordes pour jouer Mémaïo de Dinabel. Ça, c'était le standard dans le temps. Si tu savais jouer, donc, si tu ne savais pas jouer, donc, il a commencé par là. Il y avait toujours, si tu ne savais pas jouer tous les basses de Dinabel, c'est Dinabel qui était le standard avec Alain Dutourneur à la basse. Donc, là, il est uniquement, là, il est déjà au coup moyen de, en 6e, il est déjà dans l'orchestre de l'école. Et en 5e, il est déjà mon chef d'orchestre à moi. Moi, son grand frère. C'est à cause de lui que je joue souvent plusieurs instruments.
Parce qu'à l'égide, il te dit, attends, il faut que ma basse soit neutre un peu à la batterie. Tu lui donnes des coups de, tu donnes le coup de pédale. Après, il dit, non, il faut que je sache comment le piano va sonner. Donc, une année comme ça, là, il dit ça. Là, il a essayé le probatoire et le probatoire, ça n'a pas marché. Il dit aux parents, je vous ai supporté jusqu'alors. Maintenant, c'est fini. Ma mère étant enseignante se dit, ah, c'est très pénible. Comment est-ce que le fils d'un enseignant, comme on dit en anglais, va être un dropout, quelqu'un qui ne va pas à l'école. Donc elle décide de qu'il va aller faire les études en Europe. En fait, c'est pas elle qui a décidé. Elle a fait les faux papiers. Quand elle a fait le faux papier, on a refusé le visa. Il est venu pleurer, je ne savais plus comment refuser le visa. Ça m'a dit, montre-moi les papiers. Il montre une série de papiers. Ça m'a dit, non, on recommence tout et on l'a fait à la normale. Ils font les papiers à la normale. Malheureusement, pour lui, cette année, j'avais eu le bac, le père dit, bon, il faut que quelqu'un aille en Europe. Et ma mère dit, non, mon fils doit aller en Europe parce que lui, il va faire la musique. Attends, moi, je veux que lui soit un médecin pour qu'il aille en Europe. Finalement, on m'appelle, on me dit, bon, quel est ton choix? Moi, je dis, bon, j'essaie d'aller en Europe, comme ça, là, moi, je vais aller ailleurs. Je me suis retrouvé au Nigeria voisin. Ce n'était pas bien mal. Après, il a épousé Coco Mbassi en 94. Ils ont fait deux enfants. Il y a un qui s'appelle Yanis, il y a un qui s'appelle Karl. Ça, l'aîné s'appelle Karl et le deuxième, c'est Yanis. Puis tous les albums que vous connaissez. Ah, ça c'est la première personne chez qui j'ai appris à faire un home studio. La majorité des albums que vous allez avoir de Coco Mbassi, à 80% l'album a été fait à la maison, souvent dans les forêts parce qu'il fallait pas que la seconde. Ça c'est incroyable. Hein. Et après on prenait maintenant tous les fichiers son et on amenait ça au studio pour faire un meilleur mixage. Impressionnant, j'avais jamais vu ça. C'est chez lui que j'ai pu, avec un ordinateur, avec ton ordinateur, tu peux faire de la musique. Donc, c'est quelqu'un qui, pour lui, la musique était tout. Malheureusement, quand il voulait maintenant se lancer, il a ouvert un orchestre de jazz. C'est là qu'il apprend qu'il a un cancer de la prostate. Du cancer de la prostate, le cancer est passé de la. De la prostate qui s'est généralisée. Bon, quelques jours après, il est passé de vie à trépas. Mais aujourd'hui, on est content parce que tous nous nous retrouvons ici avec un seul message. Faites ce que vous avez fait. Ça, je dis ça aux musiciens. J'ai entendu une interview de Mr. Bia, c'était avec le petit Banteke. Quand quelqu'un lui demande, on vous demandait. Pourquoi vous avez choisi ce genre au lieu de faire comme nous le marquons ça. Il a dit que c'est ce qu'il sait faire, ce qu'il aime bien faire. Donc, la leçon que je tire de mon propre frère à moi, c'est une seule leçon. Ce que vous aimez faire, faites-le et faites-le bien, c'est tout. God bless you, Rego. Merci à toi. J'ai organisé ce truc parce que je ne connais pas Serge. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement, on se connaît comme ça par personne interposée. Mais ça m'a choqué profondément le manque de réaction du monde culturel
camerounais à la mort d'un musicien de ce niveau-là. Je ne pense pas, ou même son frère, je ne suis pas sûr qu'il mesure le niveau réel qu'avait Serge. Je pense que de toute l'histoire de la musique camerounaise, il y a peut-être trois musiciens au maximum de ce niveau-là. Et il n'y a aucune des icônes déclarées ou autodéclarées qui sont dedans. D'accord ? Ça, c'était quelqu'un qui était capable d'écrire de la musique pour 15 instruments avec juste un crayon et un papier. D'accord ? C'est quelqu'un qui attendait les voicings à 6 ou 7 sons. Les gens qui connaissent la musique savent ce que c'est. Dans sa tête. Il lisait dans les 7 clés. Il lisait les doubles croches à 140 à la noire. D'accord ? Il jouait Jean-Sébastien Bach à la contrebasse, à l'archet. Qui fait ça? Il jouait Charlie Parker à la guitare basse, mais avec l'articulation de Charlie Parker. Et pas qu'un seul chorus. Qui fait ça? Je n'ai pas encore vu ça ici. Donc quand les gens parlent des musiciens ici, parce que nous les Camerounais, on a la grosse tête et on a la gueule. Quand les gens parlent des musiciens ici, il n'y en a pas un seul du nord au sud dans ce pays qui est au dixième de ce niveau-là, qu'on soit bien clair. D'accord ? Merci.
savoir, on aime bavarder. On aime parler. Je vais encore dire quelque chose. Allant dans le sens de ce que mon camarade a dit tout à l'heure. Salut l'artiste. Il faut suivre ça. Je vais dire la même chose. Il faut suivre sa voix. Il faut toujours et toujours la suivre. Aussi longtemps tu ne suis pas ta voix, ta voix va te suivre. Yves Albert a dit tout à l'heure, quand on était en terminale, des gens comme Serge avaient déjà compris que leur voix c'est la musique. Nous on a passé le temps à faire plaisir à nos parents. Je suis allé jusqu'à l'université, j'ai eu mes diplômes universitaires, mais je me retrouve saxophoniste. Parce que depuis le bas âge, j'ai toujours demandé des instruments de musique à mes parents, ils m'ont refusé cela. Quand j'ai eu mes diplômes universitaires, j'ai travaillé 2 ans, mais j'ai toujours senti que c'était pas mon truc. Je suis biochimiste de formation, musicien de profession. Il faut suivre et suivre toujours ça, toujours et toujours. Dommage, les jeunes qui étaient là, ils sont partis, je comprends, il se fait un peu tard. Mais nous devons rappeler à nos enfants, à tous les jeunes qui sont tout autour de nous, qu'il faut chacun suivre sa route. C'est ce que je voulais dire. Merci encore. Merci. Ensemble.
Thank you.
Alors, un peu de fac.